C'était très bien. Si, si, c'était très bien. C'était bien, c'était bien. Enfin, c'est une fanfare, hein. On peut pas non plus. Voilà, mesdames et messieurs, la fanfare de Glan. Oh, pardon, pardon. L'harmonie municipale du vieux Glan. Qu'on appelle comme ça en hommage à son chef qui n'est plus tout jeune. D'ailleurs, quand on les entend jouer, on se demande pourquoi ça s'appelle harmonie. Non, parce que c'est comme toutes les fanfares. À partir d'une certaine heure, elles jouent faux, fort. Et longtemps. Oui, je peux vous dire, parce qu'en Valais, par exemple, moi, au début de ma tournée, je travaillais avec les fanfares locales, mais maintenant, je préfère voyager avec eux. Oui, c'est plus économique. Non, parce qu'en Valais, je devais à chaque fois engager deux fanfares différentes, oui, pour vexer personne. Une radicale et une PDC. Ah oui, non, parce qu'en Valais, la qualité d'un musicien dépend de la fanfare dans laquelle il a été formé dans son village. On ne souffle pas de la même manière dans un instrument radical que dans un instrument PDC. Et je sais de quoi je parle. Mais moi, c'est ça que j'aime avec les amateurs. Ils jouent pas forcément très bien, mais ils y mettent tellement d'enthousiasme. Non, merci, vraiment, c'était... Merci. Bien, alors, vous m'excuserez pour le côté un peu solennel, hein, mais le protocole, c'est le protocole, surtout quand il y a du beau monde, comme ce soir ici, à Servion. Madame la conseillère d'État, Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs de la Municipalité, Monsieur le Président de la Société de Développement Lausanne-Jora, Madame la Trésorière du Badminton Club du Jora. Il paraît qu'il y a beaucoup de filles qui jouent au badminton, oui, ce qui prouve qu'elles savent tenir un volant. Monsieur le président du club des lutteurs de la Haute-Broye, madame la secrétaire générale de l'association des paysannes vaudoises, pas celle du calendrier, hein, les autres. Celles qui sont moins... Enfin, qui sont plus... Enfin, les autres, quoi. Monsieur le président des amis du zoo de Servion, monsieur le directeur de l'aéroport de la Blécherette, monsieur le chef concierge du Lausanne Palace, monsieur le responsable des prothèses mammaires de la clinique La Prairie, monsieur le chef jardinier du cimetière de Savagny, monsieur le président surveillant de la pataugeoire de la piscine de Moudon, sont excusés. Quant à vous, merci beaucoup. Quant à vous, chers amis qui êtes venus de toutes les communes des environs, chers amis rhénanais, chavanois, priérans, puyérans, Crissirois, Bussignolais, Épalingeois. Qu'est-ce qu'on dit pas épalingeois? C'est comment? Épalingien? Épalingais? Non, c'est pas épalingiote? Ah, c'est pas épalingiote. C'est dommage parce que ça me fait toujours beaucoup rire quand le nom des habitants se termine en hôte. Istanbul, l'Istanbouliote, le Caire, les Kérotes, Chypre, les Chypriotes. Bien, vous savez que c'est une marque de prestige, les terminaisons en hôte. Toutes les villes n'y ont pas droit. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a pour qui ce serait quand même beaucoup moins prestigieux, par exemple, le Cap.
plus près de chez nous, Échalin. Ouchy. Non, c'est vrai que c'est parfois très étrange le nom des habitants, surtout dans le Gros de Vaud. Oh pardon, non, il paraît qu'on n'a plus le droit de dire Gros de Vaud depuis qu'il a perdu 80 kilos. Faut faire très attention. Non, non, mais je devrais pas. Non, 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 je suis méchante, non, je suis méchante, je devrais pas me moquer de Brella. Non, surtout qu'il est venu me voir jouer quand je jouais à Lausanne, oui, au théâtre Boulimille. Forcément. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, non, c'est très bizarre, le nom des habitants. Oui, oui, c'est très bizarre, c'est très... Par exemple, les habitants de Romanelle-sur-Lausanne, au-dessus de Lausanne, vous savez comment ils s'appellent? Non? Les Romanichels. C'est marrant, hein? Enfin, pas pour eux. Non, eux, ça fait des années qu'ils implorent le Conseil d'État pour pouvoir changer de nom. S'il vous plaît, Madame de Quattro, s'il vous plaît. Changez le nom des habitants, s'il vous plaît. J'ai 14 enfants, s'il vous plaît. S'il... Non, mais vous rigolez, mais il y a des villes où les Roms, c'est un vrai problème. Par exemple, à Renan, où j'ai joué récemment. Mais moi, je l'aurais dit à Renan, mais je dis, mais ne le prenez pas comme ça, vous avez des compensations. Vous êtes quand même la quatrième ville du canton. Devant vous, il n'y a que Lausanne, Yverdon et Montreux. Des riches, des pauvres et des vieux. Enfin bref, permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités de Servion, et en particulier, puisqu'il est là ce soir, votre syndic, Monsieur Gilbert Cutelot, de me faire l'honneur de m'accueillir ici, à Servion, à l'occasion de mes 20 ans de carrière. Merci beaucoup. Non, mais vous vous rendez compte, 20 ans 20 ans et les gens redemandent. Alors que vous, monsieur Cutelot, si j'ai bien compris, vous venez de démissionner après 34 ans de syndicature, c'est juste? C'est fou, hein, vous rendez compte? 34 ans au service de son village. 34 ans passés à développer le patrimoine culturel de Servion, le zoo, la revue. Au zoo, les romans viennent pour voir des animaux à plumes, à poils. Et à la revue... aussi. J'aimerais aussi remercier le service de la voirie pour les magnifiques compositions florales qui sont, ma foi, très originales. Le géranium grimpant, on n'en voit pas si souvent. Voilà. Et puis alors, pour en terminer avec les remerciements, j'aimerais aussi dire un grand merci à la boulangerie-pâtisserie Rony de Mézières pour la petite boîte de praliné que j'ai trouvée dans ma loge en arrivant. Très gentil. 250 grammes. Ils ne sont pas ruinés, hein? Mais c'est pas grave, je leur en veux pas. Non, d'ailleurs, tout à l'heure, je suis passée chez eux m'acheter quelques flûtes au sel et quelques petits canapés, et là, c'est moi qui me suis ruinée. Voilà. Voilà, mais pour vous manifester toute ma gratitude, toute ma reconnaissance, je vous ai préparé une petite chanson de circonstance. Vous êtes prêts, la fanfare? On y va? Voilà. Une chanson douce et légère, je vous en prie. S'il vous plaît, excusez-moi, ça c'est pas possible. Mais donc, il faudrait quand même leur dire que nous ne pouvons plus le même. Voilà, pardon. Oui, très bien. Voilà, c'est très bien. Oups, merci. Voilà, merci. Oh, je suis là. Voilà, c'est très gentil. Non, c'est très gentil, mais comment vous dire? Pour m'accompagner, j'aurais mieux fait d'engager le chœur mixte d'Ijora. Mais ça faisait tard pour eux. Non, mais c'est pas grave, pour ma chanson des 20 ans, j'ai tout sur bande. Jacqueline Bobine. C'est vrai, vous en avez bavé en 20 ans. Je vous ai même souvent gavé en 20 ans. Mais ne vous déplaise, c'est toujours de ma vie en 20 ans. Vous avez eu souvent l'envie en 20 ans que je me taise, qu'on oublie Marie-Thérèse. Toutes mes amies et puis mon grand
votre chouchou, qu'en fait-on? Ne vous déplaise, ce sera Marie-Thérèse, sauf si on apprend que je suis un peu fatigué. Comme je le mérite. Et tellement spontanément. Oh, coulisses aussi s'applaudissent. De toute l'équipe de la salle. Oh, vraiment, quel accueil. Alors, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Ils ont bien changé. Évidemment, ils sont aux petits soins. Ils espèrent tous que je vais leur laisser un petit quelque chose en partant. Mais vous savez, moi, je n'ai pas changé. Vous n'aurez rien. Non, parce qu'il fallait les voir dans certains théâtres à l'époque. Qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Pour qui elle se prend avec sa voix qui nous casse les pieds? Et puis ses plaisanteries, toujours en dessous de la ceinture. Franchement, moi, en dessous de la ceinture, c'est les mots qui sont à double sens. Quand on a l'esprit mal tourné, tout peut être pris dans les deux sens. Mon fils, par exemple. Non, alors s'il vous plaît, on va commencer. Non, je disais mon fils, mais qu'est-ce que j'ai pas entendu à propos de mon fils? Il marche comme ci, il parle comme ça, puis vous avez vu comment il s'habille. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de ma faute, tout ce qu'il enfile, ça lui va. Non, mais vous voyez comment vous êtes, non. Après, on dit que c'est moi. Non, et puis les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais quand j'ai commencé à raconter ma vie sur scène, vous vous souvenez? La truie est en moi. Quand j'ai découvert que mon fils était... qu'il en était, quoi. Eh bien, les gens voulaient tout savoir sur lui. Et moi, j'étais là, je racontais, j'avais honte. Mais j'avais honte. Et les gens ne se bousculaient pas pour travailler avec moi. Hein. Souvent, j'étais toute seule pour installer le son et la lumière. Je faisais moi-même tous les branchements techniques. Ah, ça, j'en ai déroulé du câble, comme disait mon fils quand il rentrait de Mykonos. Hein, choupette, hein? Oui, parce qu'il est là, choupette, ce soir. Oui, mais il est en coulisses. Il préfère se mettre derrière. Écoutez, ça va! De toute façon, maintenant c'est fini, Mykonos. Oui, maintenant c'est Mykonas. Oui, il ressort avec une fille. Oui, il a fait son coming back. Enfin, quand je dis une fille, je me comprends. Hein. C'est-à-dire qu'elle a le physique de Shakira, mais elle a la voix de Barry White. Ouh, salut chérie, comment ça va? Tout d'auberge, je t'appelle, tout ma peur, on va faire l'amour, on va faire la fière. Choupette, tu te souviens de l'époque où tu habitais seule avec maman, dans un très vieil appartement, tu t'en souviens? Attendez. Mais, excusez-moi, mais vous avez l'intention d'illustrer tout ce que je dis? Oh, mes débuts à la télévision non plus, ça n'a pas été facile. La speakerine de l'été, vous vous souvenez? Mais il paraît qu'à la direction, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle nous pompe, celle-là? Tu parles, ils prennent leur désir pour des réalités. Non, et puis j'ai d'autant plus de mérite parce qu'à la télévision, un jour, t'es au sommet, mais le lendemain, dès qu'on ne te voit plus, t'es rebut, c'est foutu. Prenez Jean-Marc Richard, par exemple. Jean-Marc Richard, talentueux, souriant, enthousiaste, bien coiffé. Et surtout, polyvalent, hein, les coups de cœur, la roue de la chance, le kiosque à musique, la chaîne du bonheur. À la radio, c'est les petits zèbres, chacun pour tous. Résultat, vous avez vu où ils l'ont mis? À la ligne de cœur. Bonsoir, c'est Ghislaine. Bonsoir Ghislaine, comment ça va? Mon mari m'a quitté, ma fille veut plus me parler, j'ai perdu mon travail et je viens d'être amputée des deux jambes. Mais sinon, ça va? Oui, ça va, je peux pas me plaindre. Oui, et puis le médecin m'a dit que je serais vite sur pied. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si aujourd'hui on me déroule le tapis rouge, il y a 20 ans, on ne déroulait rien du tout. J'étais même parfois considérée comme une moins que rien.
Non, mais c'est vrai, les gens s'imaginent toujours que tout est facile, qu'on est millionnaire, qu'on mène une vie de star. Je peux vous dire que j'en ai bouffé de la vache enragée. Non, parce que la speakerine de l'été, c'était que l'été. Je fais quoi le reste de l'année, moi? J'allais quand même pas faire comme toutes les speakerines. Hein? D'abord Miss Suisse romande, ensuite présenter la météo. Et si vraiment j'ai pas de chance, sortir avec un avocat genevois. Mais vous rigolez, mais c'est ça le cursus! Et quand je dis cursus... Oui, là vous pouvez, là, oui. Ah non, ça... À mes débuts, j'ai souvent eu des fins de mois difficiles, à ça, pour joindre les épinards. Il m'en a fallu du beurre sur les deux bouches. Non, mais c'est vrai, ça collait, c'est piquant, c'était qu'une fois par mois, il fallait bien faire bouillir la marmite. Vous vous souvenez de ça collait, c'est piquant, hein? Avec Maïtena. Alors là, j'ai croisé des tas de gens connus, alors des politiciens, des chanteurs, des journalistes. Et c'est là que j'ai fait les plus mauvais jeux de mots de toute ma carrière. Paul-Amar, je l'ai photographié avec mon polamaroïde. Robert, je lui ai montré de quel charlebois je me chauffe. Et Florent, je l'ai mis là mon panier. Oh, mais quand j'y repense, mais j'ai honte, mais j'ai honte! Enfin, heureusement qu'aujourd'hui, mes plaisanteries sont quand même beaucoup plus fines. Par exemple, aujourd'hui, quand je croise Oscar Freisinger, je dis simplement, tiens, un homme avec une queue de cheval. Ah non, ça, à mes débuts, alors que ce soit au théâtre ou à la télévision, on ne peut pas dire que je croulais sous les propositions, alors du coup, eh ben, j'ai dû faire plein de petits métiers pour m'en sortir. Un des premiers, c'était avec un magicien, Bob Mystère de Gingin. Un moitié gâteux qui a début de Parkinson en plus, voyez genre. Sur scène, il parlait tout seul, on l'appelait le monologue du Gingin. Le numéro s'appelait Bob Mystère et Brenda. Et Brenda, c'était moi, assistante de magicien, tu parles d'un boulot. Passer ses journées à ramasser des cartes et à replier des foulards avec des colombes qui vous font caca dessus, merci bien. En plus, sur scène, vous passez vraiment pour une bécasse. J'étais là, et voilà. Et voilà. En plus, il fallait prendre l'air étonné, tu sais, genre... Alors que moi, je savais très bien comment il faisait. En plus, il n'y a que lui qui avait le droit de faire des tours. Moi, je n'avais pas le droit. Non, d'ailleurs, un jour, je lui ai dit, mais vous savez, moi aussi, je peux vous faire apparaître quelque chose. Vous verrez, vous serez très surpris. Mais il n'a jamais voulu. Ah non, j'étais vraiment ce qu'on appelle alors la potiche de service. Alors pour me venger, pendant qu'il faisait ses tours, moi j'expliquais tout aux gens. Je disais, c'est dessous, c'est derrière, il y a un double fond. Ouais. Sauf le coup du mouchoir, ça je n'ai jamais compris. Tu vois, il sortait un mouchoir de sa poche, comme ça. Il l'agitait, ça durait des heures, et moi à côté. Il le mettait dans sa main, il le faisait disparaître, et moi je faisais, et voilà. J'ai jamais compris où il l'avait mis. Il faisait un numéro d'hypnose aussi, ça c'était très impressionnant. Alors, il se mettait à parler sur un ton totalement monocorde et 2 minutes après, toute la salle dormait. Exactement comme Joseph Dice. Vous vous souvenez de Joseph Dice? Mais si, le grand molachu là. Ah oui, Joseph Dice, tu le fous dans un coin, il prend la forme du coin. Bon, alors je me souviens, à la fin de son numéro, il m'attachait avec des chaînes et des cadenas. Bon, ça, j'avoue, j'aimais bien ça. Ça ne dit rien que d'en reparler, ça me... Enfin bref, il m'attachait, il m'enfermait dans une grande caisse, la caisse mystérieuse, il appelait ça. Une chaleur par là-bas dedans, puis il me faisait disparaître. Comme ça, il pouvait aller saluer devant, genre, c'est moi le magicien, c'est moi qui ai tout fait, et elle vaut rien. Je dis, toi, je te réserve un chien de ma chatte. Le week-end suivant, il s'est inscrit à un concours de magie. Il espérait gagner la baguette d'or avec sa caisse mystérieuse. Alors, il m'a mise dedans. Il a fait ses salamalecs, là. Hocus, pocus, abracadabra, j'étais toujours là. Ah, il m'en a beaucoup voulu, hein, oui. Du coup, c'est lui qui a disparu, on l'a jamais revu. Oui, alors après ça, je suis entrée dans une troupe de théâtre amateur comme souffleuse. Vous rendez compte, moi, souffleuse. Moi, c'est-à-dire que le metteur en scène a décrété que je n'avais pas un physique de théâtre et hop, il m'a mise dans le trou.
Et vous savez pourquoi ça s'appelle le trou du souffleur? Parce que les acteurs s'en servent quand ils ont un trou de mémoire. Par exemple, le premier soir, quand la jeune première a oublié sa réplique. Enfin, quand je dis jeune première, elle avait quand même 57 ans. C'est le genre qui est sûr que ça se voit pas parce qu'elle a fait un lifting. On aurait dit qu'elle sortait du four. La grande brûlée. Ça, pour jouer Agnès dans l'école des femmes. Vous voyez le genre? C'est un petit peu comme s'ils avaient engagé Régine pour jouer Jeanne d'Arc. Enfin, bref, elle entre pour sa grande scène de l'acte 2 avec Arnolf. La promenade belle, fort belle. Le bonjour, fort beau. Quelle nouvelle. Enfin, elle me regardait avec ses grands yeux, là. Enfin, ce qu'il en restait. Le petit chat et moi, il est mort. Il est mort. Hein? Il est décédé, idiote! Mais mon Dieu, mais c'est arrivé quand? J'étais pas au courant! Oui, parce que c'était une troupe vaudoise, oui. Les Tréteaux des Palinges. On faisait toutes les salles communales. Échalin, échandin, échichin, écublin, éclépin, c'était épuisant. Mais le pire, c'est quand ils organisaient des soirées poétiques. Alors ça, du Paul Verlaine avec l'accent, c'est étonnant. Surtout quand le chef des pompiers se prend pour Fabrice Luchini. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue qui n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même, et me comprend, et merde, j'ai un blanc. Alors là, moi, j'ai hurlé, t'avais qu'à apprendre ton texte. C'était la goutte d'eau. Le lendemain, je suis arrivée, il y avait quelqu'un d'autre qui soufflait dans mon trou. C'est pas possible. Non. Cela dit, j'ai vécu beaucoup plus éprouvant que l'accent vaudois dans du Verlaine. C'est l'accent neuchâtelois dans du Claude François. Oui, parce que j'ai été Claudette avec le sosie officiel de Claude François en Suisse. Clo-Clo de Cortaillot. Une espèce de croisement entre Dave et Sim. Ouais. Avec un petit quelque chose de Micheline Calmiret. Et non. Ah, je me souviens très bien, c'était pour le salon de l'horlogerie. Il avait même changé les paroles. Le morbier du vestibule s'est arrêté sur midi. Hein? Tu te souviens, Jacqueline? Oui, parce que Jacqueline aussi, elle était Claudette. Ça s'en va et ça revient. C'est fait. Oui, on l'appelait Jacqueline, la Claudette qui claudique. Oui, parce qu'avec Jacqueline, c'était thèse, antithèse, prothèse. Oui, alors après ça, j'ai trouvé un petit boulot temporaire à l'OSR, l'Orchestre de la Suisse romande. Mais n'empêche que c'est un peu grâce à l'OSR que ma carrière a pris un nouvel élan, parce que pendant une tournée à Paris avec l'orchestre, j'ai revu Maïtena, pour qui ça marchait déjà très bien, et c'est là que je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas moi? C'est vrai, c'est pas parce que j'ai 2 ou 3 ans de plus qu'elle que je n'ai pas mes chances. Eh bien, résultat, j'ai joué à la Comédie Comartin à Paris pendant 18 mois à guichet fermé. Non, attends. À Paris, à guichet fermé, ça veut pas dire que c'est complet. Non, ça veut dire que la caissière est en grève. C'est pas pareil du tout. Ah, Paris, 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 Paris. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les Tuileries, les Galeries Lafayette. J'avais oublié qu'il y avait aussi les Parisiens. Jamais content, toujours la gueule ouverte. On dirait des Genevois. Hein? C'est genre... Dieu mastique, la couche d'unière fait chier, servette. Attention. Oui, alors à Paris, pas la peine d'aller chercher un tea room pour aller boire un renversé. Non, mais la dernière fois que j'y suis allée, j'ai voulu payer avec un billet de 100 euros, je me suis fait engueuler. J'aurais dit, mais arrêtez de mailler, rendez-moi sur Nonnette. Non, parce qu'ils peuvent bien se moquer de nous et de notre accent, mais eux non plus, on comprend rien à ce qu'ils disent. Non, moi, un jour, j'arrive chez mon attaché de presse et il me fait comme ça... Putain, je suis complètement décalquée, je suis rentrée à 4 du, un truc de ouf. En plus, je suis super vénère, on a eu
à papier pourri dans les baies, ça me saoule. Il m'avait dit qu'il avait kiffé sa race. Non mais allô, quoi. Moi, ça m'a tellement énervé, j'ai dit, c'est quoi ce commerce? Commence déjà par me réduire tout ce chenille dans le cornet, sinon tu vas t'encoubler sur les cattels. Mais il a appelé le SAMU. Ouais. Non, alors la grande mode à Paris en ce moment, c'est de glisser partout des mots anglais. Oui, ils n'ont pas le style, ils ont le style. Tout est design, tout le monde regarde le prime. Quand vous arrivez de Suisse, ils vous demandent « Vous avez atterri à Orlaï ou à Roissaï ?» Mais non, à la gare de Lyon, j'ai pris un raccoursaï. Jean m'a proposé un rôle dans Joséphine Ange Gardien, j'ai répondu non sous ça et j'adore Maï ma taille. Oui. 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 Oui, parce que j'avais un agent, si parfaitement. Un agent, un attaché de presse et une assistante. Ah non, je veux dire, c'est indispensable, je veux dire, à Paris, d'avoir une équipe autour de soi pour éviter d'attraper la grosse tête. C'est indispensable. Mon attaché de presse s'occupait des relations avec les médias, les radios, les télés. Mon agent gérait mon agenda, mes rendez-vous, mes castings, mes lunchs. Ah non, c'est vrai, on ne doit plus dire lunch à Paris maintenant, on doit dire déj. Oui. On mange ensemble un de ces jours à midi. Cool, je te colle et on déj. En plus, il déjeune quand on dîne, il dîne quand on soupe et il soupe quand on dort. D'ailleurs, moi, quand je suis rentrée en Suisse, Charlotte et Clarisse m'appellent. Alors, c'était bien Paris. Je dis, bah, passez déjeuner demain, je vous raconterai. Elles sont arrivées à 7h du matin, c'est ça. Donc un agent, un attaché de presse et mon assistante, qui elle ne faisait rien. Elle était juste là pour se faire engueuler. Oui, parce qu'à Paris ça détend. Alors bah pour ça, j'avais gardé Jacqueline, elle a l'habitude. Hein, Jacqueline? Oui, parce qu'alors elle m'a accompagnée sur tous les plateaux télé, Jacqueline. Alors on peut dire que je les ai tous faits. Alors les classiques, Ardisson, Nagui, Reichmann, Stéphane Bern, les intellos, Coé, la gaffe, les émissions prestigieuses aussi, Foucault, Fogiel, Delarue. Je me souviens Fogiel en plein direct qui me dit « Parlez-moi de l'homme qui est en vous ». J'ai dit, bah dis donc, si j'avais un homme à l'intérieur, je le sentirais. Je sais pas si souvent. Bon, alors le sommet, c'est quand j'étais invitée chez Michel Drucker. Alors ce jour-là, je me suis dit, ça y est, j'y suis arrivée. Le seul problème, quand je suis passée chez Drucker, c'est que le week-end suivant, quand je suis rentrée à Glan pour faire mes paiements, toutes mes copines... Franchement, quand je fais les coups de cœur, personne ne me demande après. Mais comment il est dans la vie, mon riso? Il est gros? Bon, alors il y a une chose. Il y a une chose à Paris, on n'y coupe pas, c'est les nuits parisiennes. Tous les soirs, mon équipe voulait m'emmener en boîte. Je leur disais, mais non, mais c'est plus de mon âge. Et puis un soir, je me souviens, ils m'ont proposé d'aller au bain-douche. Moi, j'ai cru que c'était un spa. Je me suis dit, ça va me faire du bien, une petite soirée au calme, tranquille. Et j'y suis allée. Mon Dieu, mais des choses pareilles. Tout le monde se frotte, tout le monde se frôle, on n'y voit rien. Pour se parler, il faut hurler parce qu'ils vous mettent des bas, ça vous fait exploser les varices. Une chaleur par là-bas dedans, mais une tiaf. Oh non, on se serait cru dans un hammam. Mais d'ailleurs, ils sont tous à moitié nus. C'est pour ça que ça s'appelle les bains-douches. Non, parce que moi, la vie parisienne, moi, j'en étais restée à Offenbach et au French Cancan, tu vois. Les filles, à l'époque, pour montrer leurs fesses, il fallait qu'elles lèvent leurs robes. Maintenant, elles ont même plus de robes. Elles ont des jupes, on dirait des ceintures. À ras la salle de jeu. Puis elles sont toutes là, darling, ma chérie, alors qu'elles se détestent. Elles ont des lèvres, on dirait des canots de sauvetage, comme ça. Elles auraient été sur le Costa Concordia, on sauvait tout le monde. On les aurait quand même coulées après, parce que alors qu'est-ce qu'elles sont connes. Ah, t'as de nouvelles chaussures. Oh, j'adore, elles sont topissimes.
ça payait cher, ça payait cher. Je peux pas dire, même à toi je dis pas, même à toi je dis pas. Mais alors je te raconte pas mes orteils, c'est du foie de veau. Après ça, je me souviens, toute mon équipe m'a fait boire. Alors là, j'avoue, j'étais pompette. Alors j'ai un tout petit peu perdu le contrôle. J'entendais tout le monde qui s'appelait Coco. Moi, ça me faisait rire. Salut Coco, comment ça va Coco? Qu'est-ce que tu deviens Coco? Coco par-ci, Coco par-là. Ce qui fait que tout d'un coup, paf, je me suis retrouvé le nez dans la Coco. La gueule enfarinée. D'ailleurs, je crois que c'est ce soir-là que j'ai fait la connaissance de Martina Hingis. J'adore regarder sniffer les gens, même que parfois j'en prends le soir quand je sors. Mais ça n'arrive pas souvent. J'adore, 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 j'adore. Ah, ils m'ont dit tiens tu peux y aller. C'est de la bonne qui est pas trafiquée. Tu vas pouvoir te repoudrer, te faire exploser les trous de nez. J'étais dans un tel état que je ne me voyais plus les doigts. J'ai dit on ne m'y reprendra pas, c'est la dernière fois. J'adore regardez ce qui fait les choux. Moi dans ma vie d'avant, moi j'étais coincé. Ah ça j'étais coincé. Ça m'a bien décoincé. On était même bloqués. Ah ça sur la piste il y en avait des tas, des bêtas bloqués. Alors on a pris des bêtas débloquants. Ça nous a débloqués. J'adore, j'adore, oh, j'adore, j'adore. Oh ça, j'adore. Oh j'adore, oh, j'adore. Ah, moi j'ai eu peur, ils m'ont dit t'inquiète pas, vas-y prends-en, c'est de la bonne, tu vas tenir toute la nuit, open mind, over the top. Mais j'étais bien, j'étais tellement bien, j'étais hyper bien. Après ça, pendant toute la soirée, ils m'ont surnommé Blanche-Neige. Et alors ils m'ont tout fait essayer, Prozac, Temesta, Viandox. Il y en a même un qui m'a donné du Viagra. Et pendant deux jours, j'entrais plus dans ma jupe. Suis-moi deux secondes, faut que je boive un coup. Vite! Donne-moi ma romanette. Ah, voilà. Excusez. Oh, dis donc, vous avez vu ce qu'ils ont ressorti? La romanette! Romanette! Enfin une boisson à mon image. Rafraîchissante, pétillante, séduisante. Romanette? What else? Je n'aurais qu'une chose à dire. Mon Dieu! Mon Dieu, voilà que je parle suisse allemand. Enfin bref. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'un séjour à Paris, ça peut laisser des traces. Non, moi, quand je suis rentrée en Suisse, à la boulangerie, je disais plus bonjour. À la poste, il y avait la queue, je passais devant tout le monde. C'était devenu naturel pour moi. Je les entendais, les autres, dans mon dos. Tu l'as vu, la parisienne? Elle a la tête qui passe plus les chevilles. Moi qui, d'habitude, suis tellement patiente, tellement gentille. Vous me connaissez? J'étais contaminée. Ah non, j'étais devenue tellement désagréable, c'est bien simple. À l'époque, j'aurais pu travailler au service des automobiles à la Blecherette. En plus, tout le monde m'avait oublié, j'ai dû tout recommencer à zéro. J'arrivais de Paris, je venais de faire une semaine à l'Olympia, et voilà que je me retrouve à Saint-Julien-en-Genevois, au Macumba, pour faire la première partie de Chantal Goya.
Petite enceinte de Chine, pandi, panda, né dans l'Himalaya. Et moi, en coulisses, assise à côté de Jean-Jacques Debout. Ça calme. Rendez compte, assise à côté de Debout. Hein? Ça y est, monsieur a compris. C'est là que le producteur m'a dit qu'à partir de maintenant, j'allais faire des galas dans l'événementiel. Très bien. Alors, le premier gala, c'était l'inauguration du parking au 4e sous-sol du centre artisanal des Mouillettes à Mérin, dans la banlieue de Genève. Classe. J'ai aussi fait la cérémonie d'ouverture du salon du sanitaire et de la cuvette. L'élection du plus gros saucisson de Servion. Non, non, un parcours de rêve. Hein. Je me suis même coltinée du caritatif culturel. Oui, j'ai animé le vernissage de l'exposition d'un peintre handicapé. Mais ces tableaux, c'était tellement moche. Non, moi j'ai appelé le directeur de la galerie, je lui ai dit, écoutez, c'est vraiment peint avec les pieds. Et il me dit, oui, avec le gauche, il n'en a plus qu'un, c'est incroyable, non? Puis je vous raconte pas la clientèle, vous savez, toutes les dames de la bonne société, genre pomerainette avec trois rangs de perles, qui s'empiffrent de canapé au saumon en buvant du champagne un peu tiède. Je les appelle les mouettes au saumon. Alors ça leur donne une haleine, alors un vrai bonheur. Oh, c'est vous, un sport cher, c'est formidable, j'ai vu la télévision. Ah, ça, j'ai dit à mon mari, absolument, qu'on l'a vendu. C'est formidable, formidable, formidable. Alors, j'ai pas compris un mot de ce qu'elle m'a dit. Mais je peux vous dire qu'elle fouettait de la carafe. Hein, ça. Que j'ai même fait des animations dans la région à l'époque. Oui, j'ai fait des hôpitaux, les EMS. Je me souviens, j'ai joué à la soirée annuelle de l'EMS, le Signal, au Culeil. Oui. Cerise, j'ai refusé parce qu'ils m'ont regardé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, le Signal, l'EMS, le Signal, oui. C'est curieux pour un EMS, un nom de dentifrice, comme ça, le Signal. Oui. C'est un peu anachronique. Il aurait fallu l'appeler l'EMS Cuquido. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours assez joyeux, fleuri, champêtre, le nom des EMS. Hein, les jonquilles, les lilas, les primes verts, les coquelicots. Jamais les pissenlits. À Gland, par exemple, où j'habite à Gland, l'EMS s'appelle les quatre saisons. C'est bien trouvé pour un EMS, les quatre saisons. Si, ça fait un peu pizzeria. C'est vrai qu'on y trouve de tout, hein, des capricieuses, des thons, des caleçons, à changer trois fois par jour. Si on enlève les chaussettes, des quatre fromages, parfois même des champignons. Si on cherche un peu des fruits de mer, non, vraiment, on y trouve de tout. Hein. Qu'est-ce que je disais, moi, déjà? Ah oui, le Signal. Donc, j'ai fait la soirée annuelle pour tous les pensionnaires. Enfin, quand je dis soirée annuelle, ils la font tous les 3 ans. Avec Alzheimer, ça passe. En général, on fait le spectacle à l'heure du thé. Alors, il y a toujours une ambiance du tonnerre. Thank you.
Me prenez un fruit. Non. J'aimerais un petit biscuit. Eh ben voilà votre biscuit. Non. Pas celui-là. J'aimerais celui avec les noisettes. Alors je peux vous dire que ça remonte le moral de chanter devant 150 chaises roulantes. Alors là, j'ai fait la gaffe. J'étais là. Allez, tout le monde debout. Chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain. Ils m'ont jamais rappelé. Ça, pour relancer ma carrière, j'étais prête à faire n'importe quoi. Enfin non, c'est pas vrai, il y a quand même une chose que j'ai refusée dans la région, parce que quand même, faut pas exagérer, c'est quand on m'a demandé d'animer la soirée de Noël du cabaret La Grenade à Moudon. Je me suis dit, je vais quand même pas me laisser dégoupiller par n'importe qui. La Grenade, voyez où c'est? Mais oui, vous savez, c'est ce genre d'établissement où chaque danseuse est en possession de son fameux contrat d'artiste qui lui permet de danser autour de sa barre. Ou de la vôtre, messieurs. Oui, c'est ça, faites les innocents. Oui. Personne ne sait où c'est, mais tout le monde y va, hein? Comment? Ah, il y a une vitrine avec les photos. Ah, mais ils les mettent que le soir parce que c'est sur le chemin de l'école. Ah. Ben, vous voyez que vous savez où c'est. Non, il n'empêche qu'un jour, c'est quand j'ai vu ce qu'on me proposait, j'ai failli tout arrêter. Non, parce que j'avais fait le bilan, c'était pas brillant. Hein. Mon mari m'avait quitté, mon fils était parti avec un homme, j'avais failli sombrer dans la drogue, j'avais plus de succès, plus d'argent, j'étais au fond du trou. Et là, badaboum, je tombe amoureuse d'un Suisse allemand. Comme quoi, on peut toujours tomber plus bas. Alors écoutez, j'aimerais une bonne fois pour toutes mettre les points sur les i et les umlauts sur les u. J'aime beaucoup les Suisses allemands. Je peux même dire que je les adore. Tiens, d'ailleurs, y a-t-il un Suisse allemand dans la salle ce soir? Non, parce qu'on demande toujours s'il y a un médecin. Mais jamais personne pense à demander s'il y a un malade. Alors y en a ou pas? Allez, dénoncez-vous! Faute avouée, t'as moitié part. Ah, là-bas, il y a une dame. Bonjour. Bonsoir, ça va? Ah oui, vous êtes suisse allemande, oui, oui. Ça va? Ça va, tout va bien? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, je plaisante. Et vous savez que je vous aime beaucoup, je vous adore. Hein. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. C'est vrai, je vous adore. Je vous adore. Bon, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai, c'est vrai. En 20 ans, il a pu m'arriver une ou deux fois... ça et là, décorner légèrement votre image. Mais depuis mon aventure avec Rudy, et surtout depuis ma tournée avec le cirque Knig, je suis totalement revenue sur tout ce que je pensais. J'ai balayé tous mes préjugés. Et vous savez ce qu'on dit? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et les Suisses allemands. Non, ne m'encouragez pas. C'est d'ailleurs la preuve que j'ai changé, j'ai engagé une Suisse allemande. Oui, elle est en Suisse romande pour une année pour apprendre le français, alors je lui parle suisse allemand. Faire ma femme autre leider im Schaft. Und habe ich mir noch Schuhe aus dem Auto. Ah non, mais ne croyez pas que je lui parle méchamment. Hein? Non, c'est la langue qui est comme ça. Non, moi je suis toujours très gentille avec Ut. Hein, Ut? Oui, parce qu'elle s'appelle Ut. Enfin, Ute, 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 mais moi je l'appelle Ute. Hein, Ute, hein, tu. Ça la fait pas rire du tout. Forcément, elle a pas encore beaucoup d'humour, hein. Ça fait que 3 semaines qu'elle est en Suisse romande. Mais ça va venir, hein, bien. Crée angst dans rund des show. Mais bien sûr. Voilà. Je vous la montre pas, hein, parce qu'il y a des enfants. Mais je peux vous dire que c'est une vraie. Hein? Mais d'ailleurs, après son stage avec moi, elle voudrait devenir hôtesse de l'air chez Suisse. Elle a le physique, oui. Elle a la voix aussi. Vous savez, dans les avions chez Suisse, après le décollage, vous fermez les yeux, vous inclinez votre siège, vous commencez à somnoler un petit peu, et là, tout à coup, bonjour,
et messieurs, c'est Cornelia Kattenbach, votre chef de la cabine, qui vous parle. Nous allons maintenant falloir distribuer une putz-lavette. Un drink pour vous désoiffer. Et les oreilles pour le film. Alors là, on se dit qu'il ferait mieux de nous distribuer des boules-caisses. Un jour, moi j'en ai eu une, je l'ai appelée Miss Volontiers. Elle était là, duty-free. Duty-free. Mademoiselle! Oui, Volontiers. Est-ce que je pourrais avoir un paquet de mouchoirs? Oui, Volontiers. Il vous reste un journal? Oui, Volontiers. Vous me donnez une couverture? Oui, Volontiers. En plus, elle avait un de ses collègues, Stewart, qui à chaque fois qu'on lui disait merci, répondait, service. Oui, Jean, il me sert un café. Merci, service. Après ça, il m'apporte un petit chocolat. Merci, service. J'étais assise au fond de l'avion, je l'ai entendu se dégonfler jusqu'en business. Après ça, il y a l'autre bécasse qui revient avec son chariot repas, là. Et vous voulez les viandes dans la poisson? Je sais pas, c'est quoi la viande? Bœuf stroganoff. Et c'est quoi déjà, stroganoff? Oui, alors, en somme, c'est la viande avec les choux. Oui, alors je vais plus comprendre le poisson. Alors c'est quoi le poisson? Cabillaud en papillote. Là, moi j'ai voulu faire un peu d'humour. J'ai dit, mais dis donc, hein, s'il n'y a pas de pilote, hein, je préfère descendre. Hein. Et elle, oui, volonté. Enfin, comme vous le voyez. Comme vous le voyez, j'ai balayé tous mes préjugés sur les bourbines. Je suis guérie. Mais sinon, vous pensez vraiment que j'aurais pu faire cette tournée à Bâle, à Berne, à Zurich, avec un spectacle entièrement Schwitzertutsch, à guichet fermé? Oui. Non, alors c'est pas comme à Paris. Non. Non, en Suisse alémanique, à guichet fermé, c'est quand ils mettent une argovienne à la caisse. Alors c'est bien fermé, hein? Enfin bref, je suis tombée amoureuse d'un Suisse allemand et finalement c'est ça qui a relancé ma carrière parce que ça s'est tellement mal passé avec lui que tout le monde était mort de rire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que plus il m'arrivait des malheurs, plus ça faisait votre bonheur. Vous êtes vraiment sans cœur. Mais finalement, je ne regrette pas de m'être accrochée parce qu'avec les années, ça a fini par payer. Marie-Thérèse à Berne, Marie-Thérèse à l'Expo, Marie-Thérèse à l'Euro, Marie-Thérèse à la crise, Marie... Et donc, vous avez remarqué, Marie-Thérèse, c'est un peu comme Martine. Sauf que moi, je ne montre pas ma culotte. Non. Ah non, c'est incroyable. À chaque nouveau spectacle, j'avais de plus en plus de monde. Bon, ça, c'est normal. C'est parce que je vous parle des problèmes qui vous concernent. Je suis toujours branchée sur l'actualité. Ah ça, dès qu'il se passe quelque chose dans la région, je suis là. Par exemple, pour l'inauguration de la métamorphose, là, l'inauguration de la piscine olympique et des nouveaux stades, je serai là. Ce qui fait qu'on ne va pas se revoir avant un bon moment. Enfin bref, après toutes ces années de galère, j'étais devenue bien plus qu'une vulgaire people. J'étais devenue, je cite, une personnalité populaire incontournable du paysage culturel romain. Pas mal, hein? Incontournable. C'est pas moi qui le dis, c'est le temps. Alors évidemment, j'ai eu droit aux commentaires de toutes les dames de l'immeuble. En particulier ceux de la Lopez, du 5e. Qui ne manque pas une occasion d'essayer d'être gentille, cette bécasse. Elle me dit « Bravo, bravo, incontournable, incontournable !» Je dis « Oui, oui, vous aussi, vous êtes incontournable ouais, !» Il faut avoir le temps, hein. Vous vous souvenez de la Lopez du 5e, hein? Oui, ça va, ça va. Oui, ça va. Ouais. Non, ça va, oui. Ça va, oui, c'est-à-dire que depuis une semaine, elle prend des cours de flamenco. Oui. Alors maintenant, c'est la Lopez du 4e, forcément. Alors que son fils, lui, il est toujours bloqué au sous-sol. Soleil. Alors que moi, j'étais arrivée au sommet et je pouvais désormais contempler, en toute modestie, mon irrésistible ascension de Glan à Zurich, de Monaco à Montréal, de Bruxelles à Paris, cabaret, revue, théâtre, cirque, radio, télévision, cinéma. Et là, alors tout dernièrement, on peut dire alors la consécration, alors le couronnement de ma carrière, j'écris dans Migros Magazine.
Barbara et parfois Dalida. C'est vrai, c'est vrai. Sans Jacques et les sans la Lopez, je ne serais pas Marie-Thérèse et grâce à vous tout ça. On dit que je caricature souvent sous la ceinture. C'est vrai. On dit que j'aime pas les bourbines et que je suis chauvine. Je ressemble à Bernadette, c'est vrai. On peut bien dire ce qu'on voudra, ça ne me fait ni chaud ni froid, je suis très bien comme ça. On prétend que j'ai sous ma gaine un côté brésilienne, pas vrai? Pas vrai? Et que pour booster ma carrière, j'ai tout fait par derrière, c'est pas vrai? Pas vrai? Pour stimuler ma libido, j'écoute du horizon. J'ai tout fait. Et alors depuis, en quelque sorte, je crois qu'on peut dire que j'ai acquis le statut de vedette. Hein? Je crois même qu'on peut dire star, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut dire star? Mais oui, disons le star. Vous savez ce qu'on dit, pour être une star, il faut toujours une petite pointe de mystère. Eh bien moi, non seulement j'ai une petite pointe, mais je sais où elle est. Bon, en même temps, c'est plus un mystère, hein? Et vous savez, moi, quand j'arrive quelque part, tout le monde est au courant et souvent les gens viennent avec leurs appareils pour me photographier. Mais par exemple, hier après-midi, quand je suis arrivée par la route d'Oron, j'ai vu des flashs. C'est fou. Et pareil, quand je suis repartie par la route de Servion, flash. Alors moi, du coup, pour faire plaisir aux gens, je suis repassée plusieurs fois. Mais je me suis dit, ça leur fait plaisir et moi, ça me coûte rien. Non, et puis alors surtout, très important, quand on est une star, il faut faire des caprices. Sinon, on n'est pas une vraie star. Par exemple, Madonna, quand elle se lave les cheveux, il faut que ce soit avec de l'eau d'Evian. Ben oui, d'ailleurs, quand elle est venue à Zurich, il n'y a pas longtemps, ils se sont trompés, ils lui ont mis de la passougre. Eh bien, le soir, c'était désirless. Bon, ça, j'avoue, les caprices, pour moi, c'est un petit peu difficile, parce que c'est pas du tout dans mon caractère. Mais on s'y fait très vite. Alors moi aussi, ce soir, ici à Servion, j'ai fait mon caprice. Oui, j'ai exigé que la télé soit présente et enregistre mon spectacle. Alors quand je dis la télé, je veux dire la RTS, hein, pas la télé. Non, parce que je veux bien qu'on me voie, mais je veux pas tourner en boucle et dans le vide. Vous rigolez, mais c'est ce qui m'est arrivé à la Foire du Valais. Vous connaissez la Foire du Valais? C'est une espèce de comptoir suisse, mais avec du monde. Non. Vous savez, c'est très très important les caprices. Moi j'ai joué ce spectacle à peu près 120 fois dans toute la Suisse romande. Et bien partout j'ai fait mon caprice. Ce qui m'a permis de faire des statistiques sur l'efficacité des communes romandes.
Par exemple, à Nyon, je me souviens, j'avais demandé un allègement fiscal sur tout ce que j'allais gagner. Comme Novartis, 100% d'allègement sur 10 ans. On m'a répondu, alors ça, c'est pas un caprice, c'est un broulis. Et ça, on n'en a pas les moyens. À Yverdon, j'ai demandé une chambre au Grand Hôtel des Bains, avec évidemment un accès au grand bassin thermal. Oui, mais alors j'ai très vite déchanté, il n'y a que des vieux. C'est vrai, c'est pas une piscine, c'est une soupe aux légumes. À Sion, j'ai exigé d'être logé dans un hôtel 5 étoiles. On m'a répondu, pas possible, on n'en a pas. 4 étoiles, pas possible, on n'en a pas. 3 étoiles, pas non plus. C'est là que j'ai découvert qu'à Sion, ils ont plus d'églises que d'hôtels. Ah. Et après, ils m'ont proposé l'Ibis. J'ai dit, ah non, moi je veux un hôtel. À Fribourg, aussi au théâtre Équilibre, j'ai réclamé une loge avec une fenêtre. Alors là, ils étaient bien embêtés parce qu'il n'y en a pas une. Bon, en même temps, on n'a jamais vu un bunker avec des fenêtres. En tout cas, je vais vous dire, une chose est sûre, hein, quand ils ont baptisé ce théâtre Équilibre, ils n'avaient pas encore vu les comptes. À Neuchâtel, j'ai exigé de rencontrer Yvan Perrin. Par curiosité, comme ça, juste pour voir s'il est si fragile qu'on le dit. Oui, parce que l'année dernière, j'avais vu un de ses amis à la télévision qui disait « Yvan est à la frontière entre le burn-out et la dépression ». Un UDC frontalier, on aura tout vu. Non, je veux dire, Yvan Perrin, c'est comme le Gripen. Enfin, on l'a commandé, mais on l'a pas testé. Résultat, il a explosé en plein vol. À Genève, j'avais demandé d'être invité à un des événements people de l'année, le repas de soutien du Servette FC. Bon, Servette, c'est plus un repas de sauvetage. Je me souviens, la même année, j'avais même participé au repas de soutien de tous les ex-présidents du Servette. Oui, c'était la première fois que j'allais à Chandelon. Dans le Jura, je me souviens, j'avais demandé à dîner chez Wenger, au Noirmont. Vous y êtes déjà allé chez Wenger ? C'est bien, hein ? C'était pendant la Saint-Martin, et quand je suis arrivée, c'est Georges qui m'a accueilli personnellement, qui m'a dit « Marie-Thérèse, je vais vous faire découvrir toutes les parties du cochon. » Je lui ai dit, mais je vous en prie, Georges, rhabillez-vous. Quand même. Et bien alors, quand j'ai participé au Giron du Centre, je me souviens, j'ai exigé de pouvoir participer à des joutes sportives. On m'a proposé le lancer du boulet. J'ai dit, mais vous n'y pensez pas, mon mari est beaucoup trop lourd. Non, moi j'ai dit, moi je veux m'inscrire au tir à la corde. Alors le responsable m'a dit, non, c'est pas possible, c'est pas pour les dames. Le tir à la corde, il faut avoir des couilles. Je lui ai répondu, ça peut s'arranger. Non, et puis alors, ce soir, vous êtes gentil. Alors, ce soir à Servion, pour être sûr que ce soit complet, j'avais demandé qu'on annule toutes les autres manifestations dans la région, bien sûr. Alors, comme j'aime bien que la salle soit chaude quand j'arrive, j'avais demandé qu'on mette en première partie un comique local, quelqu'un qui fasse bien rire les gens du coin. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient programmé, alors attendez, j'ai noté son nom, Ted Robert, dans son célèbre sketch « Élisez moi, sinon je rechante », je me suis dit, c'est pas gagné, hein, ça... Bon, évidemment, toutes ces exigences, c'est pas parce que c'est nécessaire, c'est juste pour embêter. Moi, par exemple, je déteste qu'on me prenne en photo pendant le spectacle, donc j'avais demandé qu'on confisque tous les téléphones portables à l'entrée. Ils ont refusé. Du coup, j'ai fait venir depuis Lausanne une bande de Roms. Je pense que ça a été fait. Oh, alors, il y a une chose qui est formidable aussi quand on devient connu, c'est qu'il y a tout un tas de marques qui vous demandent de faire de la publicité pour eux. Moi, je fais des films, des photos. Un temps, ça n'arrêtait pas. Curoni, McDonald's, Fiat, La Coop, EasyJet. Oh, vous savez que c'est une compagnie extraordinaire, EasyJet, quand on veut se faire un petit week-end pas cher. Mais oui, parce que la plupart du temps, le vol aller a tellement de retard que vous arrivez juste à temps pour attraper le vol retour. Du coup, vous dépensez pas un rond. C'est pour ça qu'ils appellent ça low cost. Bien sûr. Qu'est-ce que... Oh, j'avais fait des spots de prévention contre la grippe aussi, vous vous souvenez? La grippe H1N1. La pandémie! Eh bien, grâce à mes spots, il n'y a eu quasiment aucun
malade. Heureusement, d'ailleurs, parce que l'OFSP nous avait prévenu qu'en cas de pandémie, il pouvait y avoir jusqu'à la moitié des Suisses qui ne travaillent pas. Bon, il n'y a que dans les services de l'État qu'ils n'étaient pas inquiets. Hop, alors plus récemment, peut-être vous avez vu ça aussi, j'ai participé au lancement de la campagne du nouveau Suisse Loto. Vous avez vu ça? Oui. Pour gagner, il faut cocher. Alors allons-y. Cochons. Ah oui, ça a bien marché, ça, hein. D'ailleurs, il y a un autre slogan que je leur avais proposé, mais qu'ils ont refusé, je ne sais pas pourquoi, c'était « Mais les bons numéros, il faut les dénicher. Allez hop, dénichons !» Ils n'ont pas voulu. C'est dommage, tu vois, c'était bien, c'était bien. Mais tu vois ce qu'ils disent? Vous savez que depuis l'année dernière, vous avez plus de chances de gagner parce qu'il y a 3 boules de moins. D'ailleurs, moi, quand le directeur général de la loterie romande m'a téléphoné, moi, j'étais très surprise. C'est quand même la première fois qu'un monsieur me téléphone pour que je lui supprime 3 boules. Oh, alors dans le domaine de la santé, l'année dernière, j'avais aussi prêté mon image pour une campagne pour le don du sang. Le slogan, c'était « Pompez-moi tout ce que vous voulez ». C'est mon fils qui l'a trouvé. Oui, c'est ça, de soin, foutez-vous de lui. Non, écoutez, franchement, la folle du régiment, c'est quand même pas très respectueux pour mon fils. Non, écoutez, la prochaine fois, trouvez autre chose. Sans allusion. Non, je vous promets, je vous jure. Enfin, Mylène Farmer va se retourner dans sa tombe. Mais bien sûr qu'elle est morte, Mylène Farmer. Mais à chaque concert, elle meurt. Elle... La rouquine. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, ma voix, voilà. Et comme ma voix aussi, ma voix est très connue, hein, ça, forcément, dès qu'on m'entend, on sait que c'est moi. J'ai aussi fait beaucoup de spots pour la radio. Oui, parce qu'alors, s'il y a une chose qui fait l'unanimité, c'est ma voix. Ça, je veux dire, j'ai une voix qui n'agace personne. Ah! Vous savez que les annonceurs se battent pour ma voix. Ah ben, ils savent qu'avec moi, ils vont doubler leur vente. Par exemple, j'ai imaginé un slogan pour le spécialiste vaudois de la saucisse à rôtir. Si t'as plus rien dans le machin, passe à la boucherie cachin. Ou alors pour les pompes funèbres, un être cher qui meurt, passe donc chez André Fleur. Un être cher qui part, fais confiance à Cassard. Bien, hein? Oui, c'est pas sûr, hein? Vous savez qu'on m'a même demandé d'aller jusqu'à Zurich pour faire le doublage de spots publicitaires pour la télévision. Vous savez, ces spots avec ces personnages qui ont un langage moderne, branché, et surtout qui sont extrêmement bien joués. Hey, salut, mais comment fais-tu? Je ne sais pas, mais cela m'est égal, car cet entremets est vraiment sensationnel, même aussi encore entre les repas. Ah, c'est bien traduit, hein, mais... Et alors, quand ils s'adressent aux jeunes, on sent qu'ils vivent avec leur teint. Hey, utilise-le, il est super cool, tu verras, ça déchire. Donc les gens qui écrivent ça, après vous les retrouvez en face de vous en studio d'enregistrement et vous expliquent comment vous devez le dire. Alors ça prend des heures parce qu'ils sont jamais contents. Ils vous font répéter, 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 il y a de quoi devenir fou. Moi je connais personnellement le comédien qui était engagé pour dire « Lunettes, Filman !» Deux mots, ou alors « Frigo, de cahier !» Il s'est dit « Je vais enregistrer ces deux spots. » En une heure. Ça a pris 3 jours. Ah, le pauvre, il a fait une dépression. Hein. Ah, maintenant, il est en boucle. Hein. Lunettes, frigo, 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 lunettes, frigo. Ils sont obligés de l'attacher, hein, parce que sinon, il bouffe les branches de ses lunettes parce qu'il croit que c'est des branches cahiers. Terrible, c'est terrible. Terrible, terrible. Bon, en revanche, alors moi, il y a une chose que j'ai toujours refusé de faire dans la publicité, parce que quand même, les bornes ont des limites.
c'est les spots pour les radios locales françaises. Vous savez, ces spots qui se terminent toujours invariablement par crédit gratuit 18 mois dans la limite du soft disponible, voire condition magasin. Oui, alors voir condition magasin, c'est juste pour vous attirer sur place, pour vous faire tester la marchandise. Et quelle marchandise ? À ne pas manquer, pendant tout l'été, en exclusivité dans ta région, les soirées coquines du Banana Club à Gex. Avec Maroussia la Moila, Star du X, dans la limite du stock disponible, voire condition magasin. Non, mais alors le bouquet du sommet du pompon, alors ça je suis sûr que vous l'avez tous déjà entendu, c'est les publicités suisses mais qui sont faites en France parce que ça leur coûte moins cher. Et là on sent tout de suite que le speaker connaît particulièrement bien la région. Cette semaine en promotion pour 79,95 seulement, toute dernière démarque sur l'ameublement, alors rendez-vous chez Pfisté à Etoy. Non, il y a une chose qui est formidable dans les publicités en France, c'est la musique. Ça, il faut leur laisser. C'est vrai, il y a toujours des jolies mélodies, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu... C'était quoi, ça, déjà ? Dim, voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu... Buvez, éliminez, buvez, éliminez. Ça, c'est ? Comment ? Les dragées fuca, vraiment, c'est d'un goût. Non, c'est vite. Bien sûr, quand la musique est bonne, tout le monde se souvient des paroles. Par exemple, fraîcheur de vivre, chewing-gum au goût très frais. Voilà, alors là, il y en a un ou une, je sais pas, qui devrait en mâcher plus souvent, hein, par là. Si, bien sûr, ça pique hein, jusque-là. Salaud. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a le café aussi. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. L'ami du petit déjeuner. Ma belle éducation, bravo. Très mauvais café, mais très bonne chanson. Alors qu'en Suisse, dans la publicité niveau mélodie, qu'est-ce qu'on a ? Hein ? On a quoi ? On a McDonald's. La 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 la. On a la Migros, la 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 la. Non, et puis alors le sommet, Ricola. On dirait du Morisot. Deux notes, trois accords, des couilles en or. Non, attendez, attendez, non, mais... Non, non, vous savez qu'on se connaît bien, on se connaît bien avec Alain Morisot. On se connaît, oh là là. Puis, oh là là, oh là là. Oh là là, là 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 là, oh là là. Depuis des années, oh là, depuis des années. Je me souviens, il m'avait dit, viens chez moi, j'ai un piano à queue. Non, j'ai jamais vu le piano. Non, stop, stop, bien. Après, on dit toujours que la Suisse n'a pas d'armes de destruction massive. Non, puis il n'y a pas seulement les pubs chantées, il y a les pubs chorégraphiées aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité, c'était pour le déodorant Narta. Vous vous souvenez de Narta ? La fille habillée tout en blanc, qui arrive au travail, elle danse, elle lève la jambe et tout le monde l'applaudit. Exactement comme dans la vraie vie, quand on arrive au boulot. Voilà. Je suis fraîche, et ça se voit. Narta, hop là, puis elle tournait comme ça. Aïe, merde. Je crois que je me suis niqué le col du tibia. Je sais pas. Voilà, voyez comment vous êtes. Voilà, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de pas drôle, vous vous moquez. Alors que moi, depuis toujours, moi, je vous raconte tout de ma vie. Moi, je ne vous cache rien. Moi, je suis comme Céline Dion. Moi, je suis un livre ouvert. Mais vous ne m'avez jamais prise au sérieux, jamais. J'ai traversé les pires épreuves et en retour, je n'ai reçu qu'une seule chose, des rires.
n'avais jamais rien respecté, jamais. Ni ma vie de jeune fille. Mais enfin, Jacqueline, t'as qu'à changer de gynécologue. Ou si alors ça, moi, je sais ce que c'est. Ah, ben écoute, moi, la première fois que j'ai mis un tampon, j'ai eu l'impression de tromper mon mari toute la journée. Ni ma vie de paroissienne. Ben quoi, moi aussi, j'ai droit à ma vie privée, nom de Dieu. Non, 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 pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai fourché. Je voulais dire nom d'une pipe. Oui, je sais bien que c'est pas beaucoup plus pieux, mais au moins on est à genoux. Ni même ma vie de famille. Mais enfin, Choupette, mais habiter chez lui, mais tu peux pas me faire ça. Habiter chez un homme, mais tu peux pas faire ça aux voisins. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais tu te rends pas compte? Et puis ça va te mener où? D'aller nulle part. Quand je pense que quand tu étais petit, je pouvais pas te mettre un suppositoire. Et ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça rigole. Et c'est pareil quand je vous parle du malheur des autres, hein, des gens qui me sont le plus proches. Par exemple, Jacqueline, hein? Cette pauvre Jacqueline, elle prend des cours de danse maintenant, Jacqueline. Oui, elle apprend à danser le twist. Évidemment, c'est la seule chose qu'elle peut encore danser avec sa prothèse de la hanche, tu vois. Elle twist, elle twist. Oui, fais quand même attention, Jacqueline. Non, parce que l'année dernière, au spectacle de la gym des Dames du Vieux Glin, elle a voulu nous faire une démonstration de hula hop. Elle est restée coincée. Eh ben, on a dû appeler le TCS. Du coup, ils en ont profité pour lui faire le service des 30 000, tu vois. Vidange, graissage et tout le toutim. Ouais, ils lui ont mis les pinces, et elle est repartie comme ça. Elle a dû changer de prothèse. Ouais, ouais, elle est passée du métal au titane. C'est fou, hein, c'est fou, les progrès de la médecine. C'est fou. D'ailleurs, je l'ai toujours sur moi, son ancienne prothèse en métal, elle m'en a fait cadeau. Ben oui, bien sûr, ça me permet de traverser la gare de Lausanne à minuit en toute sécurité. Ben oui, d'ailleurs, vous savez, ça m'a aussi été très utile quand j'ai joué à Mézières, où j'ai failli me faire enlever par les brigands. Par les bois du Jorat, les brigands, vous connaissez? Vous savez, mais s'ils enlèvent, ils enlèvent des personnalités politiques et les libèrent seulement contre le versement d'une rançon. Enfin, pas tout le temps. Non, parce que quand ils ont enlevé Jacqueline de Quattro, finalement, c'est eux qui ont payé le gouvernement pour qu'ils la reprennent. D'ailleurs, ça a beaucoup amusé Daniel Brella, toute cette histoire d'enlèvement. Là, d'ailleurs, à tel point qu'il a menacé lui-même de kidnapper un conseiller d'État. Il a dit « Demain, j'enlève le bas !» Tout le monde est parti en courant. Hein. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, la prothèse, voilà, la prothèse. Regardez. Alors évidemment, vous, ça vous fait rire parce que vous savez ce que c'est, mais vous imaginez ma surprise, moi, quand elle m'a montré ça avant sa première opération. Moi, j'ai cru qu'elle voulait changer toutes ses poignées de porte. Elle m'a dit, c'est ça qu'ils vont me mettre à l'intérieur. Je lui ai dit, bah dis donc, t'en as de la chance. On appelle ça PTH, prothèse totale de hanche. Jacqueline m'a dit, c'est le dernier cri. Je dis ça, c'est sûr que tu vas crier quand ils vont te la mettre. Tu vois, ça rigole, pas possible. Mais c'est pareil quand je vous parle du malheur des autres. Hein. Oui, par exemple, la Lopez, hein, ma concierge. Cette pauvre Madame Lopez, qui essaie de nous faire croire qu'à l'époque, elle était deuxième dauphine de Miss Porto. Non, mais si c'est pas malheureux, comment c'est deuxième dauphine pour finir première baleine? Non, puis je vous parle pas de son fils, alors le fils Lopez, soleil. Quand je pense que j'ai reçu des lettres de gens qui m'accusaient de me moquer des handicapés, alors que c'est vous qui riez. Mais moi, ça ne me fait pas rire du tout. En plus, j'ai dit handicapé, ça non plus, on n'a plus le droit. Non.
Maintenant, on doit dire personne à mobilité réduite. Ah non, c'est terrible, ça, le politiquement correct. Alors, les aveugles, c'est des non-voyants, les sourds, c'est des malentendants, et les nains, c'est des personnes à la verticalité contrariée. Non, mais où va-t-on? Non, mais où va-t-on? Où va-t-on? Non, mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Enfin bref, vous me connaissez, moi, en 20 ans, j'ai toujours été du côté des plus faibles, des gens différents. J'ai toujours compati et tout le monde rit. Eh bien, c'est fini. Et nini, ça suffit comme si. On n'en parle plus, à point c'est-y. Cette fois, c'est décidé, je réoriente ma carrière. Et je vous annonce officiellement ce soir que je me lance en politique et que je serai prochainement candidate au Conseil d'État vaudois. Je désire à présent me mettre au service de la communauté. Je mérite un destin national, vous ne trouvez pas? J'ai donc décidé de prendre en main l'avenir de notre pays. Mais alors attention, moi je veux pouvoir prendre des décisions, les appliquer, faire avancer les choses, travailler avec des gens honnêtes, compétents, intelligents. Donc pas question pour moi d'aller à Berne. Non, moi j'ai prévu d'entrer au conseil d'administration de Nestlé, Novartis, UBS, la Migros, la FIFA et Synovis. Seulement pour ça, il paraît qu'il faut d'abord que je devienne conseillère fédérale. Alors je me suis dit que si ça pouvait redorer l'image des femmes au sommet de l'État, pourquoi pas? Parce que franchement, qu'est-ce qu'on a eu jusqu'à présent? Hein? Hein? On a eu qui? On a eu Elisabeth Kopp. Elle est venue, elle a passé un coup de fil, elle est repartie. Ruth Dreyfus et Ruth Metzler. Une qui s'habillait chez Emmaüs, l'autre chez Swissair. On avait le choix entre deux routes, on est quand même allé dans le mur. Micheline Calmiret, un subtil croisement entre Dimitri et Mireille Mathieu. Doris Leuthard. Doris, alors j'avoue, j'ai un petit faible pour Doris depuis qu'on s'est rencontrés. Bon, c'était une soirée très officielle, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais nos regards se sont croisés. Enfin, surtout le sien. Je pense. Attends, reviens. Qui c'est qu'on a eu d'autre? Widmer Schlumpf. Hein? Alors chez elle, il y a tout qui s'est croisé. Hein? Sauf les bras. Non, elle bosse, Evelyne. Hein? Ouh, alors les banquiers sont ravis. Alors, attends deux secondes. Attends. C'est pas vrai, il m'en manque une. Tu vois, c'est comme les sept nains, il m'en manque toujours un. Qui c'est que j'ai oublié, alors? J'ai oublié qui? Comment? Somaruga, merci. Simonetta Somaruga, merci beaucoup. Je vois plus très bien la tête qu'elle a, celle-là. Tu vois, c'est bien la preuve qu'elle n'a pas beaucoup marqué. Quand est-ce qu'elle y était au Conseil fédéral, Sirometta? C'était quand? Hein? C'était quand? Ah, c'est maintenant. Ah, c'est un autre temps. Ah, marqué la rousse ici, monsieur. Maintenant. C'est maintenant. Ben tu vois, c'est là qu'on voit. Ils auraient vraiment besoin de quelqu'un de neuf. Non, et bien avec moi au Conseil fédéral, on aura enfin la parité parfaite. Trois hommes, trois femmes, et au milieu, moi. Avec moi, fini les promesses électorales, les promesses qu'on ne tient pas. Non, parce qu'avec les politiciens, il y en a des promesses en l'air. Alors ça... Ah non, sauf les PLR. Ça, j'avoue, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé un député PLR. Qu'est-ce que je dis, un député? Un conseiller national PLR qui avait même failli devenir conseiller fédéral, qui m'a dit, toi, je vais te décrocher la lune. Ah ben, je peux vous dire que j'ai dormi sur le ventre. Voilà, je vous laisse expliquer aux enfants, hein? Enfin bref, pour être élu au Conseil fédéral, il faut de toute façon commencer par un exécutif local, et c'est votre canton que j'ai choisi. Je désire mettre mon expérience et ma notoriété au service de votre population. Je le promets. Ich schwöre es.
Oui, c'est comme ça qu'on fait. Oui, on lève les trois doigts en hommage aux trois Suisses du Grütli qui ont fondé notre pays. Arnold von Melchtal, Walter Fürst, Werner Stauffacher. La Suisse romande était déjà très bien représentée. La Suisse primitive. Drittlich wurden einig Volk von Brüdern. Tous les soirs. Mon Dieu, quelle est vilaine. Bien. Bien, messieurs, dames de la fanfare. Je suis là, voilà. Voilà, s'il vous plaît, l'hymne national, vous me le faites court. Hein. Non, parce que j'ai un tout petit peu peur que les gens s'endorment, d'accord? On y va! Voilà, merci! Mon élection au Conseil d'État va servir de tremplin à ma nouvelle carrière. Je serai votre deuxième Béatrice Métro. Eh ben, cachez votre joie. Vous me devez bien ça, après ce qui m'est arrivé ici même quand j'étais jeune. Parfaitement, à deux pas d'ici, si même j'ai été piégée. Trompée. Humiliée. Ça m'a traumatisée. Pendant des années. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous en parler, parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça me retourne comme ça. Non, je suis désolée, je crois que je vais pas y arriver. Désolée, je suis désolée. Vous voulez que je vous raconte? Oui. Mais non, mais je vais pas y arriver, parce qu'à chaque fois, ça... Vous êtes sûr? Oui. Mais je vous préviens, il y a des gens de la région que ça pourrait éclabousser et qui pourraient peut-être même ne jamais s'en remettre. Vous êtes toujours ça. Voilà, voilà. Voyez comment vous êtes. Voilà. Dès qu'il y a un petit parfum de scandale, tout de suite ça vous plaît. Hein? Bande de voyeurs. Qu'est-ce que t'en penses, Jacqueline? Je le raconte. Tu crois? Et Hut, qu'est-ce qu'elle en pense, Hut? Hut! Elle pense pas, elle fait que de bouffer. C'est rien, ça, elle bouffe. Elle bouffe que des pizzas, c'est quand même incroyable pour une Suisse allemande, elle ne bouffe que des pizzas, regarde. C'est Pizza Hut. Oh, ça va. Bon, d'accord, je vous raconte. Mais alors, ça reste entre nous, hein. Ça ne sort pas d'ici. Toi, t'as commencé il y a bien longtemps. J'avais 20 ans, j'habitais Glun, et je rentrais du Locle où j'avais été rendre visite à une vieille amie de la famille qui était en fin de vie. Enfin, vous me direz au Locle. Mais comme c'était un dimanche et que j'avais tout mon temps, j'avais décidé de faire un petit détour par Servion pour voir la revue qui se jouait en matinée. Vous savez, c'était l'époque où la revue de Servion n'était que strass et paillettes. D'ailleurs, je me souviens, j'avais croisé Barnabé avec une grande plume à la main qui m'avait dit « J'ai trouvé cette plume, mais je sais pas où la mettre. » J'avais bien ma petite idée, mais enfin bon. Enfin bref, je sors de la revue et là, je me fais aborder par un monsieur qui me dit « Mademoiselle... » Oui, je vous rappelle que j'avais 20 ans. Il me dit « Mademoiselle, vous êtes charmante. Est-ce que ça vous intéresserait de faire du cinéma ?» Cinéma? Mais j'ai jamais fait ça, ça fait rien. Vous êtes tout à fait le personnage. On cherche quelqu'un d'ouvert, de généreux, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et moi, c'est tout à fait moi! Quelle gourde! Alors, il m'a montré le scénario, c'était pas très clair, hein. Il y avait pas vraiment de dialogue. Très peu d'histoire, tout tenait en 5-6 pages. Moi, je me suis pas méfiée, je me suis dit, oh, c'est un film suisse. J'ai même pas demandé à regarder le titre, j'aurais dû... L'action se passait dans une boucherie. Attrape ma saucisse et taille-moi le grebon. Non, il y avait une suite. Il y avait une suite qui se faisait tourner dans la pâtisserie. Explose-moi le bracelet et bouffe-moi la salée. Mais moi, j'ai rien vu, j'ai quand même accepté d'aller faire des essais. Mais quelle cruche! Alors c'est là que ça s'est gratté. Parce qu'il m'avait d'abord donné rendez-vous dans sa chambre d'hôtel à 9h du soir, voyez le genre. Mais moi, j'étais tellement contente de faire du cinéma. J'ai dit, j'arrive, je me dépêche. Bon. Quelle courge! Alors j'arrive, il était là avec sa petite caméra, il me dit, installez-vous, mademoiselle Berthelet, nous allons répéter la première scène. Alors il me donne le texte, alors c'était pas compliqué. Alors ça se passe chez moi, ma machine à laver est en panne, le réparateur arrive, alors moi je n'avais qu'une seule réplique, c'était oui, mais pas comme ça.
Oui, alors vous rigolez parce que vous avez tout de suite compris, mais moi à l'époque, j'étais tellement naïve. Mais quelle conne. Puis alors le bouquet du pompon, alors le gâteau sur la cerise, mon partenaire est entré. Un jeune homme absolument charmant, mais en peignoir de bain. Je me suis dit, c'est curieux pour un réparateur. Donc je vérifiais dans le scénario, alors lui aussi n'avait qu'une seule réplique, c'était... Ouah. Mais rassurez-vous, je ne l'ai pas laissé aller jusque-là. Hein. Quand le réalisateur a crié « Action !», l'autre a ouvert son peignoir d'un seul coup. Alors quand j'ai vu qu'il avait une énorme confiance en lui, j'ai dit « Non mais dis donc, je ne suis pas celle que vous croyez, pour qui me prenez-vous » Mais j'ai fichu le camp. Je peux vous dire que ça m'a marqué. L'autre avec son peignoir, moi j'ai jamais pu oublier ça. Son visage. D'ailleurs, il habite toujours dans la région. Hein. Mais lui aussi, oui, c'est devenu un personnage public. Je le vois souvent dans vos journaux. Hein? Ah non, non, je vous dirai pas qui c'est. Bah non. Non, c'est mystère et poule de vide. Non, puis ça, ça pourrait lui porter préjudice. C'est... Déjà que c'est pas facile pour un syndicaliste de diriger le département de la santé. Une tombe. Enfin bref, après cet épisode douloureux, j'estime que le canton de Vaud a une dette envers moi et que ses administrés seraient bien inspirés de s'en acquitter en m'élisant à l'exécutif du canton. En plus, je connais tout le monde me connaît, j'ai fait des tournées dans toute la Suisse romande, je serais un atout pour vous. Non, c'est vrai, j'ai animé la galerie pendant plus de 20 ans, il est temps maintenant que je pense un peu à moi. Et pour penser à soi, et rien qu'à soi, le mieux c'est de faire de la politique. J'ai donc décidé de me mettre au service des autres. Et je continuerai à me battre pour les femmes, et en particulier pour celles, elles sont nombreuses, qui sont quotidiennement harcelées sur leur lieu de travail, harcelées sexuellement. Donc je vous dis ça parce que mon amie Charlotte, qui travaille dans une grosse multinationale américaine installée à Glun, m'a raconté que son chef de service était planté devant elle et s'était carrément gratté les... Alors excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, c'est gratté les testicules. Eh bien, 2 heures après, il a été viré. Ah non, ça survaut, on ne plaisante pas avec la taxe au sac. Ah. Voilà. Voilà. Et bien non, je vous rappelle le point essentiel de mon programme, la réhabilitation de la gelée de coin. Le coin qui pousse sur le... Cognacier, j'ai entendu le cougnier là-bas, le cognacier. Non, vous savez, moi, au début, moi, je savais pas le cognacier. Au début, moi, je croyais que c'était un arbre à connasse. C'est pour ça que je disais à Jacqueline, tu vois, toi qui sais pas d'où tu viens, hein? Ah, attends, non, attends, on a un truc avec Jacqueline, attends. On a un truc avec Jacqueline qui nous fait tellement rire quand elle fait sa gelée. Oh, je l'appelle sur le balcon, je lui dis « T'es où ?» Elle me dit « Je suis pas loin, je suis dans le coin. » Et on rit, mais on rit. Hein? Ah non, ça. Oh, qu'est-ce qu'on peut rire, alors, vraiment. Ah, ça, nous, on est une chouette équipe. Voilà, ah bah tiens, puisqu'on parle de pâtisserie, mesdames, je vais vous donner un dernier petit truc pour être sûr de ne jamais rater vos gâteaux. Vous allez voir. Hit! Bring me the conforme! Schnau! Tout belle schneckli, regarde. Regarde, c'est mon modèle préféré chez Tupperware, regarde. Le moule à gâteau en silicone. Alors, le moule à gâteau en silicone, c'est un petit peu comme la politique française. Tu vois, comme un président de la République socialiste. Tu vois, c'est un peu mou. Ça ressemble à rien, mais si on le secoue un peu, c'est la métamorphose. Allez voir. François Hollande. Dominique Strauss-Kahn. Quelle horreur, mais quelle horreur, ce spectacle. Quelle horreur, dis donc, heureusement que ce soir c'est gratuit, hein, parce que sinon ce serait vraiment... Hein? Quoi, vous avez payé? C'est pas vrai, ils vous ont fait payer pour ça? Pour un discours interminable entre 4 bacs à géranium et sous une guirlande ridicule? C'est pas vrai, vous avez payé combien? Combien? Alors là, écoutez, c'est scandaleux. Alors là, moi, je m'y engage solennellement. Si je suis élue,
Je vous promets que vous serez tous remboursés à la sortie. Alors, vous allez voter pour moi ? Très bien, alors attends. On va faire ça tout de suite, hein ? Alors, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus, on va faire ça par acclamation, hein ? Pas à main levée. C'est plus agréable sur du à moins d'odeur. Parce que là, voilà. Alors, qui vote pour moi ? Attendez, non. J'ai dit par acclamation. Alors attention, on commence. 1, 2, 3. Qui vote pour moi ? Ah ! Marie-Thérèse Porcher, élue à l'unanimité. Ah, voilà. Merci beaucoup. Tu vois, hein ? Attends, comment ? Comment ? Remboursé ? Rembourser quoi ? Ah, parce que vous m'avez cru ! Alors là, toutes mes copines avaient raison, alors je suis faite pour la politique. Oh, mais quelle vie, quel parcours, quelle carrière ! Mais je vous assure qu'en 20 ans, je suis restée la même. Je suis la même. Je veux qu'on m'aime et qu'on me console. Sur scène, ça me choque. Tout le monde se moque. Les autres rigolent de ma vie. Mais quoi qu'on en dise, moi j'en suis fière de ma vie. Mes voisines, mon fils, mes Tupperware. Et malgré les problèmes, j'ai résisté. Je suis tout.
cette époque déjà tout le monde rêvait de tirer sur les couettes de la porchère. Douyou, 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 la porchère. Qui sème la zizanie, c'est la porchère. Quand les surprises partent sur la porchère, celle qui pour les garçons sont bien chères. Des rivales, c'est la porchère. On me dit souvent, on me demande la tête, que j'avais à 20 ans. Je n'avais pas d'amant, que j'étais la plus belle, oui, la plus belle de l'homme. Douyou, 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 la porchère, à vous. Douyou, 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 la porchère. La reine des majorettes, c'est la porchère. Plus belle des starlettes sur la porchère, qui elle a déjà les plus gros cachets. Espoir pour une vedette, c'est la porchère avec moi. Douyou, 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 la porchère, à vous. Douyou, 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 la porchère. Douyou, 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 la Salut les copains! T'as vu ça, hein? La robe à bardeaux, les couettes à chella. Les trois, hop! Eh ben, t'es pas facile à mettre celle-là, hein? Y'a des restes encore, non? Oh, mes 20 ans! Mes 20 ans! Mais tout a tellement changé! Je me rappelle quand j'avais 20 ans, à l'époque, il n'y avait pas autant de distractions pour les jeunes. Oh non, moi je me souviens des longues soirées d'hiver. On regardait la TSR, on s'ennuyait. Mais ça n'a pas tellement changé, finalement. Non, parce que c'est vrai, la télé romande, alors pour l'instant, vraiment, il n'y a rien qui bouge. Hein. Enfin non, c'est pas vrai. Non, non, il y a une lettre qui a bougé, oui. La TSR, c'est devenu la RTS. La révolution, hein. Bon, il faut pas que je sois trop méchante avec les RTS, parce que ça y est, cette fois, c'est signé, l'année prochaine, j'ai ma série. Plus belle la truie. Qu'est-ce que je disais, moi, ah, mes 20 ans, il y avait pas encore toute cette insécurité, toute cette violence. Oh, bah, non, mais d'ailleurs, il y a pas plus tard qu'il y a pas longtemps, Jacqueline, dans la rue, elle s'est fait arracher son sac à main. Je lui ai dit, mais espèce de bécasse, quand tu marches dans la rue, ton sac à main, tu le mets du côté du mur. Sac à main, sac à mur. Avec moi, mesdames, sac à main. Salut. Voilà. Vous, il y a deux messieurs qui savent beaucoup plus là-bas. Hein? Enfin, vous, c'est plutôt sac à dos, sac à dur. Hein? Toute cette insécurité. Il n'y avait pas non plus ce qu'ils appellent aujourd'hui les vols à l'astuce. Vous savez, c'est ces gens qui vous dépouillent complètement sans même que vous vous en rendiez compte. Les assureurs, les garagistes. Non, je plaisante, c'est ceux qui se font passer pour les Securitas ou pour les services industriels. D'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas longtemps à ma voisine du 6e, Madame Marfurt. Ils ont sonné, elle a ouvert, ils lui ont dit « Vous avez une fuite !» Elle a dit « Oh, vous savez, à mon âge... » Elle a 92 ans, Madame Marfurt. Ça ne l'a pas empêchée de se défendre, hein. Non, parce que quand elle en a vu un hein, qui essaie de lui piquer sa boîte à bijoux, elle lui a sauté dessus avec sa canne. Enfin, heureusement, ça s'est bien terminé. Oui, ça s'est bien terminé parce qu'elle m'a raconté, elle m'a dit « Je ne me suis jamais mariée. Et si ce matin, dans la bagarre, je n'étais pas tombée sur ma canne, eh bien, je serais encore vierge. » Je me demande si elle n'était pas trop, celle-là. Hein? Oui, oui, non, il y a un moment, plus ça va, pire c'est. Non, non. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, bien sûr. Bah si, parce que non, il faut que j'économise ma voix, hein, non, parce que je continue ma tournée. Moi, la semaine prochaine, je suis dans le canton de Fribourg. Ouais. Résolu, allez, chacun sa croix. Hein. Oui, mais faut que je me méfie, faut que je fasse, faut pas que je mélange tout, parce qu'à Fribourg, explose-moi le bracelet, ils vont pas comprendre. À la limite, défonce-moi le taclon. Ou...
Non, il faut vraiment que je m'arrête, parce que plus ça va aller, pire ce sera. Non, j'aimerais juste qu'on dise un énorme merci à toute l'équipe de ce magnifique théâtre ici à Servion. Merci à Barnabé et toute son équipe de nous avoir accueillis ici. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci, mon petit Barnabé, mon petit David. Comment il s'appelle, David Marre. Remercier aussi toute mon équipe d'amour à moi qui travaille avec moi depuis tellement longtemps maintenant. Anne-Cécile, Alain, Elias, Ludovic, Pierre Naftul, s'il vous plaît, merci beaucoup. Toute l'équipe, on est obligé de dire, toute l'équipe de la RTS qui était ici ce soir, hein, merci beaucoup, mon petit Julien. Julien, c'est le réalisateur, Julien. On peut l'applaudir aussi, merci Julien. Merci. Que j'en surtout. Il fait chaud, hein. Oh, il fait chaud, non, il fait chaud. Oh, j'ai tellement chaud. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai mal aux pieds. Je suis engoncée, c'est terrible. Voilà, remerciez surtout, pour finir, sérieusement, vous remerciez-vous, parce que si ça fait plus de 20 ans que je dis toutes ces bêtises, c'est grâce à vous, vous êtes toujours là, toujours fidèles, donc voilà. J'espère que ça durera encore 20 ans. Je continue une autre tournée en ce moment où je ne suis pas comme ça. Parce que des fois, je me déguise en homme aussi. Oui. C'est assez rigolo. À minuit, je me change. Donc, je reviendrai dans la région déguisée en homme. Et puis, je reviendrai comme ça très bientôt, j'espère. En tout cas, merci. Merci, je vous aime. Vive Servion, vive le canton de Vaud. À bientôt. Merci.